magnifique, alors que nous retrouvons de nouveau Elena Sudakova. Elle nous a enchanté tout à l'heure avec la corde, une liane avec une corde. Cette fois, la liane sera avec le cerceau. Démarrage original. Position toujours difficile. Encore une fois, une superbe prestation. De l'enchaînement, peut-être un petit peu moins de risque que chez Aurélie. Aurélie. Beaucoup de recherches chorégraphiques chez cette jeune russe. Absolument. Qui me semble maîtriser beaucoup mieux la corde que le cerceau. En tout cas, sa prestation était plus spectaculaire, on dira, à la corde tout à l'heure. Mais encore là, beaucoup de grâce. Beaucoup de souplesse. Remerciements aux partenaires techniques de cette... D'un enjeu à l'autre, la base chorégraphique est sensiblement la même. Après, la manipulation et la spécificité de l'engin fait la différence. Alors, en tout cas, je pense que les écarts seront très très serrés. Aurélie Lacour, 9,50, Sudakova 9,60. Elle prend un léger avantage encore une fois. Elena Sudakova est créditée de 9,60. Au risque d'être un peu chauvin, je me demande si ça ne méritait pas un match nul. Ah, est difficile de faire la différence à notre niveau, en tout cas, sans les juges experts. D'un côté, nous avions de la prise de risque chez Aurélie Lacour.